Salut l'élite, pas facile, de sucre. Bon, aujourd'hui on va suivre une recette d'El Pueblo. Caviar, Lidl, omelette. Vous voyez, caviar, deluxe, Lidl. Vous voyez, deux œufs et là on va les acheter. Alors là on va casser les œufs, vas-y casse les œufs. Allez, on casse. On continue à casser. Et là on prend le caviar et on le met dedans. Voilà, il est bien, vous voyez. C'est comme ça qu'il doit être. Vas-y, agite. Vas-y. Donc là, je vais prendre et casser mon caviar. Je vais pas tout de suite agiter. Je vais venir casser mon caviar. Et passer. Ok, là, il faut battre. Allez, vas-y, bat. Donc voilà, vous voyez, on arrive à casser le caviar. On continue à le battre. Bon, là, il faut laisser le mélange reposer 7 minutes et on revient. Bon, alors normalement, il faut prendre la graisse de la friteuse, mais on n'avait pas le matériel d'El Pueblo, donc on prend du beurre. Mais c'est pas ça la recette. Normalement, c'est de l'huile. Bon, alors là, on l'a laissé reposer. Et il va falloir mettre l'huile. Bon, on l'a mis, tu vois. Et ok, on va mettre le mélange dans la poêle. Ok, faut remonter le caviar pour pas qu'il reste au fond, sinon ça reste collé. Ok, il faut la mettre à l'horizon. À l'horizontale, vas-y, voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, donc là, faut bien étaler comme il faut partout. C'est important. Hein, et on laisse cuire. Alors là, vous pouvez voir qu'on a réussi à faire bien correctement. Donc, on doit rajouter le persil. Je vais mettre le poignet d'odeur. Il faut en mettre un peu. Et surtout pas de sucre. Car le caviar c'est salé, donc on peut pas saler. Alors là, on déguste. Donc il faut pas mettre de sel parce que déjà le caviar c'est salé. Et il y a un bon goût de poisson. Le jeune homme consomme régulièrement du cannabis. Mmh. Oh, super. Mmh. Ah oui, vraiment, c'est délicieux. Bon, alors elle est bien baveuse. C'est délicieux.